La notion de plaisir, elle est vraiment vraiment importante quand on se lance dans, dans, dans un parcours comme ça, parce qu'effectivement, on part sur 10 jours, on se lève tous les jours à 4h du matin pour, pour courir jusqu'à 19h. S'il n'y si a pas de plaisir à un moment donné, ça peut, en tout cas pour nous, ça ne peut, peut pas être que le sport. Bienvenue sur Tout un sport C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Ouais, ben l'équipe de France, les championnes du monde. l'équipe de France, oui, ça est. À la pique. Reiner, oui, est oui, 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 oui. Championne. Bienvenue sur Tout Un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout Un Sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute à vous. On y va stressé ouais oh, oh dieu c'est le pire des moments ça le démarrage après une fois que une fois que c'est parti ouais. euh, allez bah vous l'avez entendu je suis euh, avec Caroline aujourd'hui qui sera et mon invitée et c'est elle qui prendra la main sur le podcast moi j'ai décidé aujourd'hui de me mettre euh, en semi RTT entre deux je reviendrai dans le podcast ou pas ça dépend comment il se débrouille. Je, je les laisserai puisqu'elle n'est pas toute seule mais surprise sur qui euh, qui est avec elle Caroline, dis-moi qui tu es pour que les auditeurs comprennent qui va prendre la main sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Frédéric, en tout cas je suis hyper hyper contente d'être là aujourd'hui, c'est une première pour moi donc je suis vraiment vraiment contente. Et euh, aujourd'hui je, je suis ravie de me lancer sur le, ce premier podcast pour, euh, pour euh, non seulement euh, vivre une belle, une belle expérience, mmh. et donc euh, bah, je suis euh, mère de famille, trois enfants. Euh, euh, j'ai découvert le sport euh, il y a plusieurs années et euh, crescendo à, à partir d'abord d'un premier raid euh, qui était le raid Amazon. Euh, et grâce à ça, j'ai découvert euh, beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, euh, j'ai continué, et surtout sur le trail, euh, la course à pied. Et euh, entre deux, j'ai eu trois, trois grands-enfants et puis euh, la passion se transmet aussi euh, dans la famille. Puis euh, de, depuis euh, pas mal de temps, j'ai très très envie de partager euh, ce que j'ai pu vivre et notamment euh, cette valeur que j'aime qui est le dépassement de soi. Mmh. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, mon rêve était quand même de, de, de pouvoir partager avec des gens connus ou pas connus cette, cette belle valeur et puis euh, surtout euh, de comprendre et d'échanger sur ce qu'on ressent euh, suite euh, à un grand dépassement de soi. Euh, et chacun à sa façon surtout et a, euh, donc euh, voilà c'était euh, pour moi en tout cas un grand rêve donc je suis ravie d'être là et puis euh, bah euh, voilà j'ai deux super frères dont euh, je suis très fière et donc du coup euh, aujourd'hui j'avais envie de partager ce thème euh, avec eux parce qu'ils sont deux ultra-trailers depuis plusieurs années et euh, passionné de trell, donc voilà de, de un grand frère et un petit frère et qui euh, courent depuis euh, longtemps ensemble qui partent euh, ensemble et qui arrivent ensemble. Et euh, bah, le dépassement de soi, ils le vivent euh, depuis euh, donc, plusieurs années sur plusieurs courses, parce qu'ils ont, euh, quand je dis ultra-trail, bon, nous expliqueront encore plus en détail Bien ce sûr. que c'est l'ultra-trail, c'est euh, aussi aujourd'hui beaucoup de, de courses à leur actif, euh, c'est-à-dire euh, la Swiss Peak, euh, l'UTA, la Diagonale du Fou, euh, l'UTMB, enfin euh, voilà, de grandes courses euh, en compétition. Donc voilà, aujourd'hui, c'était euh, de pouvoir partager avec eux le dépassement de soi euh, dans leur passion, mais aussi euh, dernièrement, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Euh, en autonomie, une grande course euh, qu'ils ont euh, organisée eux-mêmes euh, du lac Léman à Nice en traversant donc 600 km dans les Alpes wow. avec plus de 30 000 dénivelés donc, okay. autant dire que pour moi déjà là, ça me paraît tellement impossible et voilà <laughs> et euh, du coup euh, bah, j'avais envie qu'ils partagent cette expérience parce qu'ils racontent pas toujours tout et euh, on a envie de savoir <laughs> ah, c'est une, une thérapie familiale ok pas de problème voilà exactement <laughs> et c'est vraiment euh, en tout cas euh, parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans il y a beaucoup de, de partage ils, ont, ils rencontrent aussi certainement euh, euh, des personnes pendant leur parcours et puis bah, c'est quelque chose assez unique quoi. ça se prépare euh, ça s'organise enfin euh, voilà moi j'ai envie de savoir beaucoup plus et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie de savoir et euh, voilà, on n'est pas forcément dans les 10 premiers, dans les 30 premiers, dans les classements. On peut être une personne pas forcément euh, voilà pas forcément connue, mais euh, qui euh, peuvent euh, en tout cas partager et, et raconter euh, leur, leur périple et leurs expériences. Et puis souvent, ces personnes-là, elles ont une activité à côté, donc il faut jongler entre activité, vie de famille et autres. Donc euh, on peut encore plus euh, dire chapeau et bravo pour, pour les exploits. Donc, euh... Bah, je vais te laisser présenter tes deux frères. C'est la première fois que je reçois toute une famille dans le podcast, et encore plus tout un sport. Alors là, top quoi. On réunit la famille par le sport. J'adore ça. Exactement. Alors, ben, deux frères donc Thierry qui a 52 ans aujourd'hui euh, et qui est père de famille de deux beaux garçons qui, en mon avis, ont aussi une suite sportive. Euh, dirigeant de boutique euh, Palais d'été euh, pour la Belgique. Donc, euh, on peut vous dire que, voilà, euh, coupler euh, la vie de famille, le, le boulot et le sport, il ne doit pas être forcément évident. Un passionné de sport depuis des années, et surtout fan de nature, passionné par, par la rando, la chasse, le vélo et le trail. Donc, ça, forcément. Il, est dans, il habite bien dans le nord, hein, il travaille en Belgique, et tous les jours, il passe, euh, il passe par le train et la trottinette pour rejoindre euh, ses, ses boutiques. Euh, donc voilà, et en tout cas, il est euh, passionné par les montagnes et la nature, donc il nous partagera euh, toute sa passion. Et puis Gaëtan, euh, alias Cacou, hein, parce qu'il est possible que je dise Cacou dans l'échange. Euh, père de famille de deux enfants aussi et directeur donc, euh, commercial chez Roquette. Donc euh, voilà, aussi par, euh, par son boulot, il voyage euh, très souvent. Donc couplé euh, le, le boulot, la famille et, et cette passion. Il a vécu pendant très longtemps euh, en Nouvelle-Zélande où il a fondé aussi sa famille. Et puis euh, voilà, je pense que le goût du voyage, du trail l'a poursuivi. Euh, très sportif depuis son adolescence il est passionné aussi de windsurf hein. donc euh, voilà les vagues euh, les vagues et les montagnes euh, en tout cas sont, sont sa passion tout ce qui est réuni dans le nord <laughs> donc voilà, donc euh, deux frères passionnés d'outre-trail et qui euh, aujourd'hui, euh, euh, je suis content de les avoir devant moi avec toi pour euh, qu'ils partagent cette, euh, cet événement euh, de dingue qu'ils ont fait en juin. Donc, euh... Et moi j'ai hâte de les écouter justement parce que 600 km, déjà rien que ça, mais alors en plus en autonomie et en plus avec des dénivelés et tout, enfin rien que quand on se dit euh, la Clément-Nice euh, en voiture, on s'imagine déjà le périple alors <laughs> en courant. Voilà, j'ai hâte de les écouter. Eh bien, on les écoute. Eh ben, on on les écoute. Thierry et Gaëtan, euh, on est ravis de, de vous avoir devant nous et on a hâte que vous puissiez nous, nous raconter cette, euh, cet événement qui était alors du coup cette traversée des Alpes euh, en 600 km. Alors, c'était une équipe de trois à la base. Hein, c'était un projet que vous aviez à trois, euh, un projet dont vous rêvez depuis quelques années. Oui. Bonjour Caroline, bonjour Fred. Merci de, de nous avoir. En effet, c'est toujours une bonne opportunité de pouvoir partager ces, cette passion et puis le, cet événement récent. Donc oui, c'était ce projet de traverser les Alpes. Euh, c'est un projet à trois euh, qu'on a, qu a entamé et qui est malheureusement au milieu de la, de la partie, on s'est retrouvé à deux suite à, à une défaillance santé mmh. euh, de, de notre troisième partenaire. C'était qui ce troisième partenaire pour qu'on puisse le citer Ouais, donc on, on était euh, à trois avec euh, euh, Jérémy euh, Loridan, euh, qui est un ami très proche avec qui on a fait déjà plusieurs événements ensemble. On a on a fait la Swisspix ensemble, on s'est lancé ensemble sur le Torque, euh, euh, <laughs> Moi j'ai pas pu finir mais lui a fini. Euh, et donc on, on se connaissait connaissait bien, on connaissait chacun nos, nos capacités physiques et mentales. Euh, et là, euh, oui malheureusement suite à un, à un incident mécanique sur le pied, digestif, etc. Euh, de, de continuer et donc on a dû décider de, de continuer euh, l'aventure à deux ce qui n'était pas euh, le projet initial après c'est le c'est aussi le trail le trail hein. c'est des, des projets euh, qui, qui démarrent pas le jour où on commence le trail le trail c'est six mois même hein, plus, plus plus de, de temps euh, d'entraînement et c'est quand on part euh, au mois de juin euh, sur, sur, sur les Alpes en fait euh, c'est un projet qui démarre euh, euh, un peu en janvier où on commence l'entraînement et quand on commence l'entraînement bah, on se dit ça peut on s'entraîne pour ce pour cet événement mais euh, on peut avoir un pépin un pépin, euh, un pépin euh, technique euh, on peut on peut se, se blesser et puis euh, et puis le projet qu'on a dans les mois qui qui suivent et eh ben finalement on peut on peut pas le faire dans le trail on sait qu'à un moment donné ça pourra s'arrêter avant le projet parce que on a, L'année dernière, je vais faire le tort des géants, je me suis blessé juste avant, euh, une chute, euh, et puis et puis et puis voilà. Euh, et, par, et pendant une course, on sait que bah, on peut avoir un pépin, un pépin technique, et, et, et on est obligé d'arrêter. Donc c'est le, le propre du trail, c'est les choses qui peuvent, qui peuvent arriver, on le sait. Oui, c'est un plan d'entraînement et en même temps on, on, on travaille chaque objectif par étape, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut se passer. Mais euh, donc ça se prépare là, vous aviez préparé donc euh, quel, ce, ce projet là quand même assez à l'avance, bien sûr. Et euh, du coup le, le départ se faisait donc euh, euh, du lac Clément jusqu'à l'arrivée donc euh, qui était Nice. Euh, ce projet, il se prépare comment exactement Quand vous dites euh, par étape, c'est c'est euh, donc à trois, je suppose que vous. Est-ce que vous vous entraînez à trois, à deux, à, ou chacun de votre côté Quel est le plan d'entraînement Comment vous anticipez cette euh, cette motivation, cette préparation mentale C'est un, un projet qui, qui se base sur, sur un historique, sur, euh, tout d'abord, euh, parce que c'est des, des années d'expérience de, derrière, ce qui fait qu'il y a un peu plus d'un an, lorsqu'on y a pensé, ce n'était pas de l'improvisation. J'allais dire que, comme disait Thierry, la préparation avait déjà commencé il y a de nombreuses années, parce que c'est essentiellement basé sur de l'expérience en montagne, l'expérience euh, du dépassement de soi, comme le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est aussi l'expérience qui nous fait connaître nos propres limites, et euh, c'est bien le sujet, c'est de la limite, c'est de se dire chaque, dans une course aussi longue, on sait qu'on va devoir résister lorsqu'on a une douleur, lorsqu'on a un coup de mou mental. Mais en même temps, il faut connaître. Il y a un moment où il euh, faut savoir se dire on continue. Et à un moment, on sait que ça, ça ne sert à rien. C'est ce qui s'est passé pour notre euh, notre partenaire. Euh, et c'est ça, ça ne se gagne qu'avec l'expérience. Donc, comment on le prépare J'ai envie de dire pour euh, pour nous, ça fait plus de 15 ans qu'on le prépare quelque part, même si on ne connaissait pas cette course, ce ce, ce parcours. Mais ça s'est fait. Je je pense surtout là-dessus plus que sur une préparation spécifique les mois d'avant. Je pense qu'on a une, spé une euh, spécificité, euh, Thierry et moi, c'est qu'on se prépare, mais euh, un petit peu euh, dans la vie de tous les jours, et pas avec un entraînement très intensif, qui est peut-être aussi le propre du, du, du trail long, contrairement à du trail plus court où il faut faire un effort plus intense. Là, on se prépare à un effort progressif, il faut surtout pas trop se mettre dans le rouge pour pouvoir... Euh, continuer euh, longtemps. Euh, donc j'allais dire, c'est plus sur euh, la continuité et l'expérience. Oui, après, après aussi, le, le, le surentraînement, ça peut, ça peut aussi... Euh, on voit souvent aussi des gens qui, qui s'entraînent énormément et qui, et qui s'usent euh, ou qui se blessent avant, euh, avant un trail ou pendant un trail qui, qui, euh, qui, qui atteignent des, des limites, mais à un moment donné, ils sont peut-être aussi euh, trop, euh, trop entraînés. Euh, euh, donc euh, effectivement, nous, on, on court euh, une fois par semaine, à, à peu près. Euh, C'est des sorties de combien de temps euh, quand vous courez euh, une fois par semaine Alors un entraînement, ça va être euh, une trentaine de kilomètres euh, par semaine. Mm -hmm. Enfin, euh, une sortie d'une trentaine de kilomètres. Euh, après on est aussi dans une région, euh, on est dans le plat pays hein, donc, euh, donc euh, s'entraîner, alors euh, on peut s'entraîner sur du plat mais ce c'est pas très amusant non plus. Il euh, y a une dimension qui est, qui est vraiment importante dans, dans, dans le trail. En, en tout cas pour nous c'est le plaisir. Euh, moi, je sais, personnellement, j'ai du mal à aller m'entraîner sur du plat. Et il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut que, il faut que pour l'entraînement, il y ait il y a un peu de découverte de, nat de nature. C'est, c'est aller, aller. Il y a, on a quelques monts à une quarantaine de kilomètres de l'île, Moi, mon plaisir, c'est d'aller m'entraîner là-bas. Je vais, mmh. je vais jamais aller m'entraîner sur le, sur le, sur le bord d'une route euh, à côté de chez moi. Il faut, mmh. il faut que j'aille sentir la nature et effectivement l'entraînement le, c'est un plaisir parce que on commence l'entraînement mettons en, en début en d'année début et on sent, on sent les saisons évoluer on, on voit la nature renaître euh, janvier février mars euh, et c'est un, un plaisir d'aller d'aller courir parce que c'est retrouver la nature moi j'adore m'entraîner avec euh, avec mon chien et courir avec le courir avec mon chien et et, et voilà, c'est un plaisir, c'est quelque chose que je ne ferai pas en allant euh, courir le, sur le bord d'une route. Et, et juste pour précision, c'est une course officielle que vous avez faite ou c'est une course que vous avez créée euh, par vous-même, vous avez vous vous dit on part de là et on arrive là-bas et on a fait tout le cheminement Oui, donc le, la traversée du, de la Clément à Nice, en fait on a suivi le tracé d'un du, GR qui s'appelle le GR5, euh, donc c'était juste entre nous, c'est un, tra enfin, un tracé officiel le GR5. Euh, voilà, qu'on a, qu a décidé de faire. Donc il n'y avait pas de cadre euh, là-dessus. Donc c'était pour nous, euh, on avait déjà fait quelque chose d'un peu similaire euh, récemment sur d'autres gères de, de France. Euh, mais c'est vrai qu'historiquement, on a fait beaucoup de, de courses, à proprement dit, qu'il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de, de participants. Et on avait en effet envie de, de, de le faire dans un environnement encore plus naturel, c'est-à-dire euh, rencontrer les gens. Euh, euh, naturellement, je veux dire sans cadre, sans organisation, se nourrir localement, euh, au-delà de, des foules qui peuvent être, être entourées de certains événements comme l'UTMB, etc. Et avec quoi vous, devez pa vous partez comme ça en autonomie pour euh, 10 jours, parce que c'était une course pendant 10 jours euh, Parce que vous êtes euh, du coup euh, organisé pour quand même réserver des gîtes ou des refuges, ou vous dormez à la Belle Étoile Comment ça se passait Ouais, alors on a, en fait, on a suivi donc, le, le GR5 et on a, on a pris les, les refuges les uns après les autres. Alors, on ne connaissait pas le, on, le rythme qu'on allait avoir. Bon, on avait le projet de, de faire ça en une dizaine de jours. Euh, donc... Euh, mais on ne savait pas à quel refuge on allait s'arrêter. C'est aussi... Euh, on a fait ça euh, au mois de juin, parce qu'on savait aussi que les, les, les refuges seraient plus facilement disp disponibles. On aurait eu du mal à, à arriver dans les refuges sans, sans avoir réservé au mois de juillet. Euh, donc ça, c'était... Euh, c'était une condition. Après, on, on s'est rendu compte aussi que en juin, par contre, il y a encore beaucoup de neige. Donc euh, ça, c'était un peu le, une, un problème qu'on a rencontré. C'est qu'on s'est retrouvé dans, dans la Vanoise avec 50 cm de neige pour avancer. <laughs> euh, donc il y, avait, ouais, il y avait des endroits où il y avait encore beaucoup, beaucoup de neige. Donc euh, ça nous a ralenti un peu. Euh, mais bon, bah, ça, a été, ça a été une, une découverte euh, du trail dans, dans 50 cm de neige pendant, euh, pendant euh, au moins une journée à ce moment-là et, et à, à d'autres moments encore. Donc, c'était un ultra-trail de toute météo possible que vous avez pu avoir pendant, pendant 10 jours. Pluie, neige, soleil On, on a eu une météo qui était relativement clémente, on a quelques petits orages. Euh, par contre, c'était le terrain qui était assez complexe parce qu'il y a beaucoup neigé en à la fin du printemps. Donc c'était voilà les neiges qui sont restées et, et c'est vrai que la pluie on passe euh, un grand nombre de cols au-dessus de 2500 mètres et, et tous ces cols étaient enneigés. Donc euh, soit c'est glacé ou soit c'est complètement mou et dans ce cas-là, c'est euh, on s'enfonce jusque parfois jusqu'aux jusqu'aux hanches et euh, non seulement on, a, on progresse moins, mais en plus c'est très dur de trouver sa trace. Euh, parce qu'on suivait un GR donc euh, ceux qui ont fait des GR connaissent ces marques euh, rouges et blanches euh, qu'on suit euh, comme euh, le fil d'Ariane euh, et bien là par sous la neige on les retrouve plus et, 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 et par contre il y a des animaux qui passent donc qui parfois euh, <laughs> on a l'impression de suivre une trace et on part, euh, on sort de la trace et heureusement on a un, un suivi GPS sur nos téléphones mais le, le temps de, de se retrouver euh, on, on perd beaucoup de temps et c'est vrai que la neige était un peu une, une surprise et euh, le temps nous était compté c'était un défi de en 10 jours et il y, a, il y a deux façons de le faire, soit on se suréquipe pour pouvoir passer là-dedans, ou soit on, on est très léger, euh, comme nous. Euh, on avait 4 kilos sur le dos, euh, ah oui. au, au, au compris. Et donc l'idée, c'est que bon, tu as moins de choses pour le confort, mais tu es beaucoup plus agile. Donc tu, tu peux te débrouiller pour aller plus vite à un refuge, plus vite changer d'itinéraire changer si besoin. Donc voilà, on avait plutôt choisi l'agilité la, que, euh, que, le, que le confort. Euh, certains pourront dire, mais, et la sécurité dans tout ça. Euh, on était léger, mais avec le, quand même le, le, le nécessaire. Euh, et aussi par l'agilité, on pouvait euh, choisir, nos, choisir nos routes si jamais il y avait un effet... Euh, un sujet de sécurité en jeu. On a eu le cas d'un col, col du Brévent, pour ceux qui connaissent la vallée de Chamonix, qui était sur notre itinéraire et euh, on a décidé de ne pas passer parce que c'était trop, trop, trop glissant et donc on a pu facilement euh, euh, changer notre route et grâce à notre vitesse, qui est plus rapide que quelqu'un qui marche avec un gros sac, on pouvait rattraper le, le cours de, de la course. Et comment on garde quand même cette, ce mental et cette motivation chaque jour Parce que c'est quand même, vous montiez quoi, des, 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 des sommets de 2000-2005, euh, donc euh, presque quotidien, ou tous les deux jours. Je... Et est-ce que, comment on garde ce, chaque jour ce mental de repartir, de, de marcher dans la neige, de, de même si vous avez de l'expérience et que c'est quelque chose que vous connaissez, euh, sur dix jours, c'est quand même long et euh, comment vous vous motivez comment euh, le, Même si, voilà, intrinsèquement, on sait qu'il y a un objectif, c'est 10 jours, hop, on y va. Comment vous vous motivez En fait, c'est le, le plaisir. Le, la notion de plaisir, elle est vraiment, vraiment importante quand on se lance dans, dans, dans un parcours comme ça, parce qu'effectivement, on part sur 10 jours. On se lève tous les jours à 4 heures du matin pour. Pour courir jusque, jusque 19 heures s'il n'y si a pas de plaisir à un moment donné ça peut en tout cas pour nous ça peut pas être que le ça peut pas être que le sport et, et vraiment le sentir la montagne sentir sentir la nature voir le spectacle quand on arrive en, en haut d'un d'un col voir la montagne c'est un plaisir énorme et, et si on si on a si on n'est pas si on ne sait pas apprécier ça euh, bah c'est difficile et euh, et, et oui, le, 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 pl le plaisir, c'est. Alors, il faut savoir s'en rendre compte parce qu'effectivement, parfois, on, on arrive un peu dans le dur. Il euh, y a une côte qui peut, une montée qui peut, qui peut être très longue. Mais et c'est là où il faut savoir, à un moment donné, se, se rendre compte de, de, de ce dans quoi on est et, et se dire Est-ce que tous les ingrédients, euh, tout ce que je suis venu chercher, est-ce que, est-ce que je les, bien euh, Et, et c'est là, c'est là qu'on qu'on qu se dit bah oui effectivement il faut il faut c est, c est, il faut se rendre compte de la chance qu'on a aussi et si on si on se rend pas compte de la chance qu'on a et bien effectivement on a, on a envie d'abandonner et c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans, dans, dans la vie dans le travail euh, c'est important de se rendre compte de ce dans dans quoi on est et, et parfois on se dit bon allez euh, Ouais, j'en ai marre. Euh, ça, je suis pas content. Mais est-ce que dans, dans quoi, dans, dans quoi je travaille, dans quoi euh, et, et il faut se poser les bonnes questions parce qu'à un moment donné, effectivement, euh, euh, bah peut-être que ça, 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 remplit pas, remplit plus euh, tout, tout ce qu'on est venu chercher. Mais euh, mais mais si on se dit, maintenant, bah en fait. Euh, il y a beaucoup de choses que, que, que j'aime, que je recherche, que, que je retrouve dans, dans, dans tel travail, dans telle activité. Bah, il faut se dire, je suis content de l'avoir et, et j'ai mon plaisir et, et, je, et je continue. Quoi. Et donc, bah, voilà, dans, dans la montagne, c'est ça. Et après aussi, il ne faut pas se poser trop, trop de questions non plus. Quand on part sur un, sur un, sur un trail, ça va être long, euh, il faut être concentré sur soi-même, concentré sur son corps et, et ce qui va se passer. Parce que, parce que se poser trop de questions sur le, sur, le, sur le nombre de kilomètres, quand il y en a 600, euh, si on commence à comparer euh, 10 km, 5 km, qu qu'est-ce qu que ça représente Ouh là, il m'en reste tellement. Non, il faut, il faut se concentrer sur soi-même. Alors c'est vrai que c'est une expérience de, de un peu de recentrage sur... Euh, sur, sur soi-même. Hein, le le, le travail, on, on a le temps de, de penser à beaucoup de choses, à beaucoup de choses, euh, euh, de penser aux autres, penser à ce, à, à ce qui se passe dans notre vie. À, à, à des projets, à plein de choses, mais, mais c'est quand même quelque chose de très centré sur son corps et, et sur sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que pour passer euh, les moments difficiles, je crois que ce qui est important, c'est de savoir se, se projeter. Alors parfois pas seulement se projeter sur où, quelle va être la difficulté derrière, c'est ce qui, parfois ce qui peut nous affaiblir, mais plutôt se, se projeter dans le moment où on pourra se retourner, c'est-à-dire se dire voilà, c'était dur, mais derrière, en fait, finalement, je l'ai, je fait, c'est-à-dire je serai euh, après scol, euh, je pourrais dire finalement, c'était pas si dire que ça. Et alors ça, c'est le court terme. Après le long terme, c'est Nice. Pour nous, c'était Nice, c'est de se dire voilà, une fois qu'on l'a fait, on, on, on pourra se dire ça. Et si on abandonne maintenant, ben, c'est dommage, alors que c'est plein de petites étapes qu'il faut franchir. Et puis au bout de, de ça, nous, il y, avait, il y avait Nice, il y avait le, notre exploit personnel, mais on courait aussi pour une pour une cause qui était la, la, la recherche contre contre le cancer. Hein, pour, on a collecté pour la Ligue. Euh, et ça, je veux dire, c'est les aspects vision. Enfin, c'est l'aspect intérieur. Et après, pour répondre à la question, qu'est-ce qui nous aide à nous motiver aussi, c'est l'aspect plus, euh, je vais dire, mécanique. C'est que notre cerveau, il est aussi euh, géré par par le, 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 la gestion du sommeil, par l'alimentation. Et là, ce qui était assez nouveau dans ce type de course pour nous, alors on a l'expérience des, des courses des ultra trails comme l'UTMB, la Diagonale des Fous où on s'arrête très peu, où on dort pas du tout, où là le, ça devient mentalement assez, assez dur, mais là la différence c'est que chaque jour on mangeait bien. Chaque jour, on était dans un refuge où on était très, très bien nourri euh, avec une petite bière. Et puis, euh, une nuit, euh, on se couchait vers euh, 10h30, on se levait à 4h. Donc, quand même, le temps de, de redormir. Et j'oserais dire que ça retape vraiment chaque jour et vraiment une nouvelle journée. Il On ne se sent pas usé de jour après jour. On repartait avec euh, des balles neuves. Et avant de, avant de continuer sur le sport, je pense qu'on peut faire une belle parenthèse sur euh, l'association. Comment vous avez fait pour récolter de l'argent Qu'est-ce qui vous a décidé à aller vers cette association et, et c'était quoi le Il y, y avait quelque chose derrière euh, pour vous Lorsqu'on fait ce type de, de course, que ce soit off, comme on l'appelle ici, ou des vraies courses, c'est vraiment le dépassement de soi-même. Il y a parfois aussi des questions de se dire, alors fais ça pour nous, mais euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte et, et derrière aussi... Euh, quand on fait ça, on s'est rendu compte qu'on était pas mal suivi par, par notre entourage. On dit, bah, ça attire de l'attention. On dit, bah, cette attention, est-ce qu'elle pourrait servir à autre chose que, que nous-mêmes, en fait? Et, et au-delà de ça, euh, la cause pour laquelle on, on a couru, c'est quelque chose dont on se sentait très concerné parce qu'on a malheureusement de plus en plus de, de gens dans notre entourage, que ce soit des amis, de la famille, qui sont touchés par le, par le cancer. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est parti dans d'une part, d'ajouter une cause à notre, à notre événement, choisir celle-ci, et, euh, et avec une collecte relativement facile à organiser, qu'elle est pour le cancer, avec des, des sites Internet qui permettent euh, d'organiser ça de façon assez facile, sans être un, un gourou du, <laughs> des sites Internet. Okay. Et vous avez donc euh, récolté euh, combien d'argent, si euh, vous voulez le, le dire on, ouais, on a récolté. Oui, on a récolté euros, euh, très, très bien, ce qui est, voilà, ce qui est déjà, ouais, ce ouais. Qui est déjà une pierre à l'édifice. Effectivement, pendant pendant qu'on court, bon, à un moment donné, on peut aussi se poser la question, est-ce que est-ce que on a encore l'envie le, de continuer À un moment donné, euh, on, on a traversé pratiquement toutes les Alpes, on arrive à euh, on, on sort du Mercantour, on arrive dans l'arrière pays niçois. On peut se dire aussi, bah, bon allez, on a traversé les Alpes, il il reste plus que 80 kilomètres. Euh, euh, est-ce que, est-ce que, on va jusqu'au bout Et c'est vrai quand on a bah, ce, ce, cette association derrière, ce, ce projet, on disait on va jusque Nice et ben bah, on, on se pose pas de questions. On, en tout cas, ça, ça pousse à aller jusqu complètement jusqu'au bout du, du projet. Et euh, moi, j'avais une question aussi quand même euh, les, les encouragements autour de justement de, de, vos fa de votre famille, de vos copains. Est-ce que vous ça vous aide ou est-ce que vous êtes dans votre bulle euh, dans pendant entre vous deux pendant pendant toute la, la, la course Est-ce que est -ce que quelles sont vos pensées Quels sont vos be besoins d'encouragement en fait pendant cette semaine là Alors, bah, tous les encouragements sont euh, sont forcément euh, extrêmement appréciables, euh, que ce soit avant ou, ou pendant. Euh, alors c'est vrai que parfois on a l'impression aussi euh, par nous-mêmes d'être euh, dans notre bulle hein, parce que euh, on n'est pas les encouragements qu'on reçoit comme ça. La fa seule façon de les recevoir c'est par téléphone et on n'est pas euh, beaucoup sur nos téléphones pour ce temps-là. Euh, si ce n'est euh, pour retrouver sa, sa route et on, encore on est euh, quand on est en autonomie complète avec très peu d'énergie, on est souvent les téléphones éteints. Donc les encouragements on les reçoit par euh, par batch euh, à la fin de journée etc. Et c'est vrai qu'on est après très peu de très peu de temps pour pour répondre etc. mais on les reçoit, les intériorise et, et alors parfois c'est juste des, des encouragements, parfois c'est des petits messages drôles aussi qui, 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 qui font du bien et euh, donc oui c'est essentiel et parfois on ne les reçoit pas directement mais on sait on, la pensée, les, les gens qui nous racontent après et c'est toujours intéressant de savoir qu'on a été suivi en fait. Ouais, je pense qu'on a beaucoup apprécié votre votre suivi, le suivi sur GPS et ça c'était vraiment en tout cas quelque chose de fort. Et justement, quels sont les quel est le, le ou les moments les plus intenses dans cette course quel a été le moment le plus intense Je ne sais pas, est-ce que c'est l'arrivée d'un sommet qui a été dingue ou une rencontre Quel était le moment le plus fort pendant cette cette traversée Toute la traversée est, est, est intense. Hein Alors après, c'est c'est les, les endroits qu'on voit c'est les, les, les paysages qu'on voit qui sont qui qui, qui, qui sont forts c'est vrai quand on passe euh, autour euh, autour du mont blanc le matin on est d'un côté du mont blanc le soir on est de l'autre côté on voit les on voit la, la face française la face italienne le, le soir euh, c'est c'est fort après après ce qui est intense aussi c'est c'est de, de traverser tous ces massifs quand on, on fait on arrive sur le Beaufortin on traverse le, le Beaufortin on arrive sur la Vanoise c'est beaucoup euh, tous ces tous tous ces massifs le, le Kera, le Mer, Mercantour qu'on a traversé c'est plein d'endroits qu'on connaît un petit peu parce qu'on y est on y est allé mais mais le fait de tous les lier les uns les uns avec les autres euh, se matérialiser un peu toute la toute la, un peu la taille des Alpes euh, on n'a fait qu'une traversé mais mais euh, mais on, on matérialise bien toutes ces toutes ces toutes ces parties et, et, et c'est quelque chose d'assez de, de, fort de, de se rendre compte euh, bah, de, 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 de tous ces petits massifs qu'on qu qu lit les uns avec les autres. Euh, on a traversé quatre départements, enfin c'est euh, cinq départements je pense. C'est assez fort de, 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 ouais, de voir tous ces tous ces endroits les, les traverser les uns après les autres. Dans les moments forts, il y, a, il, y a, il y a les aspects en effet nature aussi. Et puis euh, et puis il y avait les aspects humains. On a, on a, on a eu quelques quelques super rencontres aussi, euh, pas préparées du tout. On a eu, euh, le premier jour, on est parti assez tard, trop tard euh, pour, pour un tel événement, une enfin, telle course. Et, et le soir même, en fait, on n'avait pas bien calculé où est-ce qu'on pouvait arriver sur un, un refuge. Euh, et les refuges à cette époque-là sont très peu qui sont ouverts et on était encore en train de courir vers 10h30 dans, dans le noir, et euh, en se demandant où est-ce qu'on allait pouvoir à, arriver, et on voit une, en passant sur une route, on voit une, une petite lueur, un, un, un chalet, et, euh, et puis en, en braquant nos, nos frontales sur, sur ce chalet, euh, Thierry, on voit quelqu'un sur son balcon, qui était un, un, un berger, qui était, qui était, qui était là, je, Thierry, je te laisse raconter un peu cette rencontre et les heures qu'on a passées derrière avec ça. Oui, ouais, bah on voit, on voit qu'elle quelqu'un quelqu à sa fenêtre et, et on avait vraiment euh, on, on savait vraiment pas où on allait on allait on allait dormir c'était le premier soir Alors en plus on se dit euh, bon bah si ça commence comme ça le premier soir <laughs> euh, en fait il y avait beaucoup de, beaucoup de refuges qui étaient, qui étaient pas encore ouverts hein, donc, euh, et on est tombé sur effectivement euh, ce, ce, ce berger qui montait en alpage c'était sa première nuit euh, en, en alpage donc il, il venait de monter ses, ses, ses vaches euh, et, et donc euh, bon, en braquant un peu, un peu avec insistance euh, <laughs> la, la frontale sur ses fenêtres, euh, il a fini par, par, par sortir et, et on lui a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver un, un refuge. Bon, on, a, on a compris que les refuges étaient assez loin et, et que, en tout cas, les, les refuges ouverts étaient, étaient assez loin. Et euh, il a dit, il nous a dit, bon, bah, je, je vais vous ouvrir euh, une étable, euh, une, une, anci une ancienne, euh, un ancien chalet qui, qui était complètement attenant à, à, son, à son étable. Donc on a, on a, on a dormi euh, un peu avec les vaches. En fait, il nous a hébergé, il nous a, il nous a donné, prêté des, des lits, et puis en plus, il nous a, il nous a il nous a offert le couvert, donc euh, on a mangé. Euh, on, on pensait ne, on savait pas où on allait dormir, et en fait, on s'est retrouvé avec euh, des produits locaux, des, des, des fromages qui venaient de faire le miel, son miel, euh, des gâteaux. Enfin, c'est on a vraiment, euh, on a eu un repas que de produits locaux. Euh, euh, qui, 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 qui venait d'apporter et, euh, et c'était puis en plus on a discuté en fait on s'est retrouvé en fait c'était un berger qui était euh, qui était un ancien champion champion d'Europe de de, de cross-country et, et on parlait avec sa femme qui était une championne d'Ironman euh, et en même temps ils étaient bergers euh, euh, en Suisse donc c'était on a passé une soirée enfin euh, quelques quelques un peu de temps avec eux à discuter de tout ça et, et c'était c'était super sympa et, mais c'est vrai qu'on s'est dit merde. Est-ce que est -ce que ça va être comme ça tous les soirs Est-ce qu'il faudra trouver un, un, un logement euh, avec autant de difficultés et, et finalement, donc après, on a un peu à la fois les, 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 les refuges ont été, été, été plus facilement ouverts. Et alors tous les tout premiers refuges, on, on a on était pratiquement les seuls dans le refuge et, et puis un peu à la fois, euh, surtout en allant vers, vers le sud quand on arrivait euh, dans, ouais, au niveau du, du Mercantour, là les, les, les refuges étaient beaucoup plus, beaucoup plus plus chargés et on sentait que ça devenait plus compliqué quand on arrivait à 19h sans avoir trop prévenu. Euh, on sentait un peu de réticence euh, chez les, 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 les gérants des, 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 des refuges euh, de nous voir arriver à 19h en disant ben, on vient manger. Euh, ah bon, vous, vous, auriez pu, vous auriez pu retenir et puis euh, nous, nous prévenir. Et puis, euh, et puis après leur, leur dire qu'on venait manger à 19h et qu'on avait besoin d'un lit, on leur disait bah, ce serait bien aussi que demain matin, le petit déjeuner, euh, on puisse l'avoir à 4h du matin. Euh. En général, c'était plutôt prêt vers 6-7h. 6, euh, voilà, donc on a parfois été un peu euh, sur, les, sur les, les derniers refuges accueillis. Euh, avec un peu de, de réticence au, au départ, et puis après en discutant, c'est des gens super sympas, donc euh, on a passé des, des, des bons moments et on a finalement été super bien accueillis. C'est la loi de la montagne, hein, ça peut être dur, ça peut être facile. Alors j'avais une petite question que qui j'avais envie de partager avec vous, et enfin, surtout de savoir est-ce que vous êtes d'accord avec ça, est-ce qu'on dit que le dépassement de soi permet de mieux se connaître et de dépasser ses limites, et permet l'amélioration de l'estime de soi Ouais, complètement. Et, et c'est vrai que moi je l'applique beaucoup aux, aux situations professionnelles également. Enfin, je veux dire ça, voilà, ça me donnait énormément confiance euh, au niveau au niveau pro, de se dire voilà de dépasser les limites, c'est de se dire voilà, on, 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 la vie professionnelle est faite de challenges et de se dire voilà. On, Souvent, on met une limite à ce qu'on connaît euh, lors en expérience. C'est-à-dire, non, comme un trail, quand on part faire 600 bornes, on ne peut pas tout prévoir. Euh, on sait ce qu'on est à peu près capable, mais il y reste, il faut être capable d'improviser un peu, de, 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 de par son expérience, d'avoir de, 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 confiance qu'on qu sera s'adapter. Et, et donc, moi, professionnellement, ça, je le, re, je le remets complètement en application et j'ai envie de dire vice et versa. L'expérience professionnelle me donne la confiance dans, dans, le, dans le sport aussi. Oui, totalement. En fait, le dépassement de soi permet de se mettre des, des objectifs et des étapes. Enfin, en tout cas pouvoir programmer un défi qui pour l'instant au départ est irréalisable ou pas forcément réalisable aujourd'hui mais les, le fait de programmer des étapes et des, des objectifs à court terme etc pour arriver à un défi euh, qui était au départ réalisable et, et c'est ça qui est extraordinaire c'est de pouvoir euh, réaliser en fait à son à son objectif final ou son défi euh, programmé après il faut il faut aussi de la force pour ça et, et, et encore une fois c'est à quel point on en a envie si on en oui. a un tout petit peu envie, parce que bah, on préfère faire autre chose, euh, bah, le, que ce soit le, le sport, le travail, on n'ira pas hyper loin. Par contre, si on a une envie forte, euh, et c'est encore une fois, il faut savoir travailler son envie, euh, et que ce soit dans le sport, le, le travail, les, tout, euh, au plus. Parfois, on dit c'est impossible, mais est-ce que c'est vraiment. C'est impossible ou c'est. T'en as envie, t'en as pas envie et, et c'est cette envie euh, qu'on a dans, dans le sport, euh, et moi, ouais, dans le travail, c'est beaucoup euh, avec les, avec les, les équipes, c'est un, un point sur lequel j'attache beaucoup d'importance, euh, c'est c'est soit capable de travailler ton envie, euh, ou fais le point sur ton envie, ce que je disais tout à l'heure. Fais le point sur ton envie et puis et euh, et puis euh, et puis on avancera. Enfin, c'est euh, Ou, ou fais le choix de ne pas avancer. Et en trail, c'est pareil. Si tu as de l'envie, avances et tu peux aller très très loin. Et tu peux repousser tes limites. Si tu n'as pas une envie forte, euh, effectivement, tu n'iras pas très loin. Carrément. Gaëtan, tu, tu voulais rajouter quelque chose Cette notion d'envie est importante et je, elle est euh, en sport comme dans l'entreprise. Dans notre cas, euh, le fait d'être à plusieurs, à deux, ça, ça joue dessus euh, on, on, lors, de la, lors, de, lors de la course, il y en a, on n'a pas toujours le même état de forme. L'un ou l'autre, il y en a un qui est plus en forme, l'autre moins. Et le fait d'être à deux, ça nous permet de se relancer mutuellement. Et en entreprise, c'est pareil. On est souvent amené de travailler en équipe et on ne peut pas compter que sur une personne, que sur un leader ou sur un, un exécutant. C'est vraiment un travail d'équipe. Et là, je pense que notre force mentale à deux est certainement plus forte que quand on est seul. Exactement, c'est extraordinaire. Et il y a aussi une notion qui est importante aussi. Euh, c'est la, la notion de partage. C'est vrai que partir, euh, partir dix jours, euh, jours, en montagne, ou même euh, avoir le projet de, par de, de participer à, à une course, la diagonale, euh, la Swiss Peak, fin des, des courses qu'on a faites, euh, c'est le fait de pouvoir les partager ensemble, ça donne beaucoup plus envie d'y aller que, que que, que aller que de partir tout seul et, et, et le fait d'avoir ces projets, euh, ces projets communs, ben on, encore une fois, on en parle avant, on le partage avant, et, et on part sur la on part sur la course ensemble, on partage sur la course, on, on partage nos ressentis sur la course. Et la notion de partage, elle participe à l'envie aussi, et dans, dans l'entreprise aussi. C'est c'est on parlait de l'entreprise tout à l'heure. C'est la notion de partage, elle elle, elle, est, elle est forte et elle nourrit l'envie. Euh, qui te donne de la force. C'est vrai que c'est chouette parce que c'est de pouvoir euh, euh, remettre ça sur le, le, entre la vie pro et la vie perso et ce qu'on peut, entre le, les, ces sensations, ces, ces réalisations de défis et en bon, plus de, de dépassement de soi très fort, qui peut être vécu aussi bien en vie donc, perso, mais... Et qui peut être repris sur la vie professionnelle ça en tout cas les deux apportent énormément et ça c'est vraiment extraordinaire et j'avais une petite question quand même sur cette course euh quand même cette grande traversée, quelle sensation on a quand on arrive à Nice à deux, là, euh, euh, sur cette promenade des Anglais, euh, arriver en plus sur du Macadam euh, et de retrouver euh, les gens, la vie, les, les voitures, bon, en plus vous avez été accueilli par, par une petite partie de famille, parce que vous en avez quand même deux cousins qui étaient là à votre arrivée, quelle sensation on a euh, D'arriver au bout de ce, de, de ce défi de ces 10 jours. Est-ce qu'on réalise vraiment? Est-ce qu'il y a un grand épuisement qui fait que je ne sais pas? Quelle sensation on a? On a, du mal à, on a du mal à réaliser en arrivant. Alors le Nice, en, pendant la course, on n'en a pratiquement jamais parlé. Parce que euh, on n'ose pas parler. Euh, je pense qu'on n'ose pas parler de, de, de l'arrivée. Euh, parce que c'est parce que surtout quand on bah, sur les, les premiers kilomètres, je pense qu'on a on a parlé de, de Nice. Euh, L'avant-dernier jour et le dernier jour, mais, mais avant on n'en parle pas parce que, parce que, encore une fois, c est, c est, on, on est dans notre course et, et l'important c'est la journée, c'est le, le moment présent, est, on est vraiment sur le moment présent, terminer la journée et prévoir celle du celle du lendemain mais on et on n'ose pas parler de, de l'arrivée parce que parce qu'on n'arrivera peut-être jamais on sait jamais quel pépin on peut on peut rencontrer sur, sur la route donc euh, et, et donc euh, et donc l'arrivée on a du mal à à réaliser et je pense que le l'arrivée elle dure longtemps parce que parce qu'on réalise après euh, on réalise encore aujourd'hui il faut qu'on se refasse c est, c est, tout ce tout ce parcours et et on met du temps à, à réaliser euh, cette, cette cette arrivée oui. Et ce qui est dingue, c'est que pendant dix jours, pour un événement long comme ça, on, on est toujours un petit peu dans la retenue. Parce que justement, comme Thierry disait, on n'ose pas penser à Nice, mais aussi on, on, on gère son effort pour pas qu'il arrive quelque chose qui nous empêche de finir. Parce que le but, c'est bien de finir. Okay on a bien compris qu'on n'était pas là pour battre un record du monde. Euh, mais donc, on est toujours un peu dans la re re retenue. Et on va dire, sur les 5 derniers kilomètres qui nous amènent jusqu'à la ligne d'arrivée, on n'a jamais été aussi vite. Alors en fait, on avait encore plein sous, le, sous la pédale, parce qu'on a descendu l'entrée de Nice, c'est quand même assez étendu. On est descendu des collines de l'arrière-pays euh, en courant non-stop, ce qui n'était pas le cas euh, en général. On a quand même beaucoup marché, euh, mais on a été très, très, très vite. Hein, et, euh, et on arrive là en courant sur, euh, comme si on terminait un marathon. Et, et donc, ça en dit long sur, euh, d'une part... Euh, comment on a géré avant, euh, l'envie d'arriver, l'excitation. Et alors après, l'excitation, parfois, souvent, euh, le matin même, on se dit on va arriver. Là, on, on idéalise un peu et quand on arrive, euh, bah, on se dit bah, voilà, on est arrivé tout simplement. Mais là, le fait de là, la marque physique est énorme parce que on est parti d'un lac dans les montagnes pour arriver à la Méditerranée. On pouvait euh, se marquer physiquement parce qu'on a plongé dans, dans la Méditerranée. Donc, il y a vraiment un acte d'arrivée qui est bien plus beau qu'une qu banderole mais c'était assez rigolo d'arriver sur la promenade des Anglais avec des gens qui se baladaient avec des valises et, et qui demandaient ce qu'on foutait <laughs> là en short et en baskets avec des gens qui nous applaudissaient <laughs> merci Thierry Gaëton et pour pour terminer j'avais une petite question quand même on a envie de vous on a envie de vous suivre on a envie de continuer on a envie de savoir surtout ben c'est quoi les prochains défis les prochains objectifs est-ce qu'il y a quelque chose de programmé euh, bientôt ou... on a envie de on a envie de, de, de vivre d'autres 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 choses euh, ces projets de course c'est un peu c'est ce qui donne aussi de, de l'intensité dans nos, nos vies quand même qui sont un peu réglées euh, de tous les jours hein. on a des, des vies un peu entre guillemets un peu citadines un peu organisées et, et avoir euh, avoir euh, ces projets ça donne beaucoup d'intensité et, et se projeter c'est c'est intéressant euh, voilà on pense on pense au, au gr 20 euh, on pense aussi à, reparticiper à, des que, à participer à des courses participer à des courses comme euh, peut-être le Thor, la, la, la diagonale enfin, ces courses ça, ça, vivent la, la ferveur d'une course euh, des, des ravitaillements de, euh, et puis l'émulation de, de, de la compétition aussi c'est intéressant donc euh, euh, on, en, on en discute et puis, euh, et puis on, il va falloir vite se mettre en projet parce qu'il parce que faut, il faut retenir, il faut s'organiser. Avant de terminer, moi je me permets parce que je suis un peu extérieur justement à ça et ma question, qu'est-ce que ça apporte euh, entre frères, le fait de vivre ces, 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 ces émotions-là bah, ça, ça apporte une proximité certaine, on a, on a cinq ans d'écart et, et on a vraiment une passion commune, une passion qui est très forte. Qui, dans notre quotidien, c'est forcément un sujet qui revient. Et alors là, pendant un événement, là, comme dix jours, on, on vit, on est dépendant l'un de l'autre, en fait. Et donc, c'est une proximité, c'est vraiment un, un ciment supplémentaire. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour en avoir un, mais c'est vraiment très fort. Et, et, et dans l'autre sens aussi, je pense qu'on arrive à faire ça ensemble parce qu'on se connaît bien. Et donc, on connaît les forces, les faiblesses de l'un de l'autre. Et, et, et donc, ça, ça, ça aide beaucoup. Mais c'est sûr que c'est très important dans notre relation. Ouais et vous en profitez pour euh, vous parler du fait de se projeter et autres, vous parler de votre vie de, de tous les jours, puisque je suppose, comme vous l'avez dit, hein, il faut le remettre aussi en contexte. Partez à 4h du matin, vous arrivez à 19h. Les, les gens, il faut qu'ils sachent, même dans l'ultra-trail et tout, hein, Mathieu Blanchard, il le dit, il y a des moments où il faut marcher, parce que c'est impossible de courir tout le long du début à la fin. Donc euh, je suppose quand on marche à deux en proximité, qu'on est un peu... Au bout, euh, on essaye de trouver des sujets pour. Euh, et donc, on parle de la famille, peut-être. Euh. Oui, alors, déjà, on marche plus que Mathieu Blanchard. Mais... <rire> <rire> on a plus le temps de marcher, plus ouais. le temps de discuter. Euh, alors, euh, oui, on discute euh, de tout, euh, de, de rien. Alors, après, il y, y a des moments de, aussi de silence. Et puis, des, techniquement, il mm -hmm. y a des moments où on marche de l'un devant l'autre. Euh, on ne peut pas marcher l'un à côté de l'autre, parce sûr. que c'est des chemins très techniques. Mais oui, on parle de, de famille, on parle de boulot, on parle de, de sensations du moment, de ce qu'on va faire de, demain. Mais ça, les discussions passent très, de l'un à l'autre très facilement. Ok, et euh, vous inciteriez des, des frères à, à, à faire, et encore une fois, pas forcément euh, euh, aussi fort et autres, mais en tout cas, faire des, des, des activités physiques, sportives ensemble euh, qui seraient du dépassement de soi. Encore une fois, quelqu'un qui a jamais couru, s'il va faire euh, 20 km avec son frère, euh, c'est un gros dépassement de soi. Donc, euh, est-ce que vous inciteriez ou vous, là, vous vous dites c'est parce que nous on a une passion commune et puis ça. Je pense qu'en famille, c'est important d'avoir euh, effectivement des, des activités. Euh, sinon, on se retrouve que pour manger, euh, euh, faire la fête des mères, Noël, et, et puis man manger le dimanche midi. Euh, euh, c'est important de pouvoir partager d'autres choses, donc, euh, que, ce soit, que ce soit du, du sport, euh, euh, d'autres activités, mais c'est important de se voir euh, pour autre chose que, 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 que des, 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 des repas un peu ou moins obligés à organiser mais mais partager des partager des moments euh, qu'ils soient sportifs ou autres euh, en famille euh, c'est important c'est ce qui fait que bah, les familles euh, continuent de, de, de s'entretenir et oui donc au-delà au du dépassement de soi comme tu disais il y a différentes dimensions là c'est assez long ce qu'on fait mais ça peut être en effet juste faire un trail de 10 km mais allez juste faire un footing en, en famille ou en un tennis euh... Je pense l'essentiel, c'est ouais, faire des activités en commune, et je pense c'est aussi ce qui règle une vie en société, c'est de faire des choses ensemble, Donc quel, quel que soit le, que ce soit un défi ou pas. Mm -hmm. euh, je pense c'est ça qui, qui entretient le, 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 le bien vivre ensemble aussi. Quels, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui hésitent de se fixer des défis ou des, des challenges par peur de ne pas, de ne pas réussir? Je veux dire, il faut, faut se lancer. Rien ne cherche sert d'aller trop loin, mais se, se fixer des, des choses étape par étape. Euh, comme nous aujourd'hui, si on fait des 600 km, on a fait des, des plus courts avant. On a commencé avec euh, des 20, des 60, etc. Euh, je pense qu'il euh, faut, il faut vraiment y aller étape par étape et ne pas avoir peur d'augmenter euh, les étapes. Et quand je parle d'étapes, pas forcément des étapes de course à pied, mais des, en termes de, de dimension de, de challenge. Et j'ai envie de dire, voilà, à partir du moment, le plus important, c'est la gestion du risque. S'il n'y a pas de risque réel, euh, que ce soit sur son environnement, sur sa santé, etc., je pense que ça vaut le coup de tenter. Et voilà. Et, et, et le, on parle du, du risque aussi. Le, le trail, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un sport où on peut vraiment repousser ses limites très fort, mais qui n'est pas risqué. Enfin, on, avec avec Gaëtan, on a fait aussi un peu de montagne avant. Euh, on peut se rendre compte qu'en montagne, on peut prendre de, 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 de gros, gros risques hein, quand on part en, en ski de rando euh, et que le, le temps tourne tourne et que on, on, peut, on voit des, des avalanches, on voit des séracs, des on a vu fin des seracs des, des tomber, on peut se dire, bon, on aurait pu être à côté. Euh, euh, la montagne, c'est dangereux, mais c'est vrai que le trail, on, on fait la montagne de manière très très intense. Enfin, on peut pousser vraiment ses, ses limites, mais ce n'est pas très dangereux. Bon, on sait qu'il y, y a eu quelques accidents euh, euh, récemment euh, sur euh, des courses importantes, mais, mais, mais globalement, c est, c est, on ne prend pas des, des, des gros risques d'avalanche ou de, de chute de seracs. Ou... Voilà. Merci à tous les deux et euh, franchement c'était euh, très 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 excitant et, et en tout cas enivrant de vous écouter et euh, j'ai encore appris plein de choses et je pense que vous avez pu partager votre passion et surtout de montrer que tout est possible si on s'y si on prépare, on, prép on, on, se, on, on se prépare avec des étapes, des objectifs euh, courts et puis euh, on peut y arriver et euh, c'était passionnant de vous écouter. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci aussi. Oui. Et donc, pour terminer, bah effectivement, euh, je, moi, je, c'est la première fois que je reçois des frères et sœurs euh, dans, le, dans le podcast et euh, je pense que ça rejoint plein de choses que, que je prône et les valeurs que je prône, c'est-à-dire le fait de partager en famille. Je pense que ça vous fait un souvenir euh, et pour vos proches euh, encore plus. Euh, vous avez fait le lien beaucoup avec l'entreprise et le sport et je, je le partage à 2000%. Donc merci beaucoup pour, pour ces liens et merci Caroline d'avoir accepté de jouer le jeu et d'interviewer tes frères et puis comme ça de te tester au podcast. Peut-être qu'on te retrouvera dans d'autres épisodes de tout un sport où tu inviteras des invités, puis je te laisserai la main, je te laisserai le micro et je te laisserai faire. Moi, je, je te regarderai de loin, je serai aussi en semi-RTT comme je l'ai été aujourd'hui. Donc, euh, c'était top et merci beaucoup. Et puis, euh, bon, on vous suivra dans vos prochains exploits, euh, de, de, de près ou de loin. On essaiera de, de garder le, le contact pour, euh, pour vous suivre parce que vous avez parlé de, de, de cette énergie que vous donnez et je pense que les gens ne se rendent pas trop compte de, de ce qu'est une diagonale des fous, de ce qu'est un UTMB, etc. Mais mais moi, pour faire un tout petit peu de course à pied, je me rends compte à quel point, quand vous parlez, là, je fais une petite sortie de 30 km. J'en ai fait une de 15 de ce, cette semaine. Je, je l'ai senti dans les jambes. Donc euh, voilà, les 600 km, euh, quand vous en parlez, je, je, je capte ce que ça veut dire. Donc merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Merci, Caroline, pour l'interview. Merci, Frédéric, puis, à toi pour cette euh, À très bientôt cette belle pour euh, poursuivre vos aventures. Merci. Merci. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez, vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, votre histoire est un cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.